C'est une véritable remontada opérée par le Front populaire. Après la victoire du RN au premier tour, c'est ce dimanche la coalition de gauche qui l'emporte. Le parti d'extrême droite est lui relégué à la troisième place, derrière le camp présidentiel d'Emmanuel Macron. Selon les premières estimations, l'alliance de gauche obtiendrait ainsi entre 172 et 192 sièges à l'Assemblée nationale. Le bloc présidentiel, de son côté, perd la majorité relative qu'il avait gagnée lors des précédentes élections. Mais les deux blocs se félicitent d'avoir fait barrage à l'extrême droite. Après les nombreux désistements intervenus dans l'entre-deux-tours, le RN a perdu son pari. Il obtient entre 132 et 152 élus dans l'hémicycle. Mais devant ces résultats, aucune majorité absolue ne se dessine. La question du futur gouvernement reste donc ouverte. La gauche va-t-elle revendiquer la formation d'un gouvernement malgré l'absence de majorité nette? Le bloc présidentiel va-t-il négocier avec certaines forces du nouveau Front populaire pour constituer une grande coalition? Plusieurs options sont mises sur la table, ainsi que celle d'un gouvernement technique qui serait dirigé par une personnalité consensuelle. Au sein de la coalition de gauche, le député Jean-Luc Mélenchon affirme que le nouveau Front populaire est prêt à gouverner. Mais c'est au président de la République que revient le pouvoir de nommer le Premier ministre. Et de son côté, Emmanuel Macron affirme qu'il attendra la structuration de la nouvelle Assemblée pour prendre, dit-il, les décisions nécessaires. Les Français devront donc encore patienter un peu pour connaître le nom du prochain Premier ministre et la composition de son gouvernement qui s'annonce très hétéroclite.